Monsieur Brigand, vous avez demandé la parole. Et après, oui, je vous ai bien noté. Bien, Madame la Présidente, mes quelques mots s'adressent à Monsieur le Ministre. Un intervenant tout à l'heure disait « J'ai été maire pendant 17 ans, moi presque 35 ans. Et s'il n'y avait pas eu la loi Hollande, j'y serais encore. » D'ailleurs, j'espère qu'on y revient, j'espère qu'on en reparlera. J'espère qu'on en reparlera. Alors, Monsieur le Ministre, mon expérience me permet de dire que les collectivités n'ont pas attendu vos directives ou vos conseils pour être gérées et pour être bien gérées. Vos explications sur les contraintes que vous voulez poser aux communes, je les prends presque comme un mépris, voire une insulte pour les maires et les conseillers municipaux. Les collectivités n'ont pas à être sous la tutelle directrice de l'État. Elles sont assez grandes pour se gérer. Et les collectivités, elles, sont obligées de voter des budgets en équilibre. En conclusion, j'espère simplement, Monsieur le Ministre, que vous avez été maire pendant plusieurs années pour pouvoir porter un jugement et pouvoir nous donner des directives. Je vous remercie. Je vais répondre à Monsieur le député qui m'interpellait. Non, je n'ai pas été maire pendant 35 ans. Je suis conseiller municipal depuis près de 10 ans. C'est peut-être moins bien, mais je crois que ça me donne aussi une légitimité. D'ailleurs, même si je ne l'étais pas, je pense que j'aurais une légitimité. On a tous ici une légitimité pour parler des sujets qui préoccupent notre société et des sujets budgétaires.